Oui, que ça tombe dans de bonnes oreilles. On va faire un tour au studio. Parlons de notre invité du jour. Je l'appelle l'enfant prodige de Sombori, la fierté de toute une ville, une étoile qui monte dans les éclus du ciel pour le bonheur de la nouvelle génération, la génération montante, piquante, sonnante et agissante. Il est né en 1990 à Fria et issu d'une famille humble et noble. Il commence par la danse avec un groupe baptisé à l'époque Menace Toxique, dont il était le fondateur. Quelques années plus tard, comme le groupe ne verra pas le jour, l'enfant décide de prendre son destin en main et d'embrasser une carrière solo. Il devient chanteur-compositeur. Le morceau Saya qui vient, qui signifie la mort, provoque un vif sentiment et de satisfaction sur les mélomanes hors pair, hors normes. L'artiste a une voix qui glace l'âme. Le vocal est propre, limpide et digital. Sans doute l'aventure sera ballonnée de succès et de triomphe. L'artiste a du talent à revendre. Son inspiration, sa création et ses prestations scéniques lui ont permis d'avoir une notoriété, pour ne pas dire une célébrité, dans la capitale Conakry. Sur les réseaux sociaux y compris, aujourd'hui il évolue avec force de créativité, de sensualité musicale dans le monde de la musique mandingue. Il est au top, c'est le top du comble, véritable haut niveau des acteurs du moment. Pour votre plaisir, Bouba Fria, il est là dans le studio trop blimblim ce matin. Fria Oura Bouba. Il va vous laver avec ce morceau. Radi, ina moto sin le radi, ina moto kete radi.